vous me pardonnerez s'il y a quelques petites secondes de latence, le temps que je prépare à ce que je n'ai pas préparé. Alors, hop, je vais juste régler ça. Voilà, comme ça sera plus propre. Je m'en rebalance le dashboard. Coucou, Rémi. Salut à toi, tu fais que du dessin ou autre? Bah, pour l'instant, non, je fais que du dessin. Je pense que ça pourra être amené à changer selon ce qui se passe dans les semaines qui arrivent. Voilà. Coucou Kéké. Salut Kéké, salut Clima. Coucou à tout le monde. Donc, bon, on va pas plus attendre. Le coup, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné du Gotha. J'ai dessiné que du singe ces derniers temps, donc je sais plus ce que je vais faire. Donc, en tout cas, on part donc sur une idée où on va essayer de le faire en super guerrier, forcément avec la couleur de cheveux actuelle. Mais j'aimerais bien faire le singe en mode super guerrier aussi. Après, le singe en super guerrier, c'est un peu embêtant au niveau des poils, quoi, comment je l'ai fait. Et le problème c'est que. Coucou rapidement. Le problème c'est que si je fais Son Goku en mode Super Saiyan, quelle va être la différence entre cette emote, l'emote Rage et l'emote On Fire? J'ai peur que les trois ils soient trop proches. Ou alors il faudrait carrément que celui-là remplace le Rage, quoi. Ce qui est possible. Hein. Et merci à Youshoufi pour le follow. Coucou à toi, bienvenue sur le stream. Donc n'hésitez pas, de toute façon, si vous n'allez pas les utiliser derrière, c'est maintenant qu'il faut le dire, avant que Jericho les valide. Comme ça, si vous me dites avant que Jericho valide que c'est pas bien, ben, au moins il les verra pas. Ça fait 4 ans que je fais du graphisme et j'ai 14 ans. Ça te dérange si au cours du stream, je te pose quelques questions sur le parcours que je dois avoir, etc. Ça me dérange absolument pas. Après, il se peut que je vois pas les questions, donc n'hésite pas à soit tu peux même me les envoyer sur Twitter ou en privé, je répondrai plus tard si je les vois pas, mais si je les vois, je répondrai bien sûr. Après, sur le parcours, moi j'ai un parcours plus qu'atypique, j'ai pas de parcours du tout. Donc sur le parcours, j'aurais du mal à te répondre. Mais sur d'autres questions, j'aurais la possibilité de le faire. Ou pas. Donc on va imaginer qu'il va remplacer l'orage, hein, parce que je vois pas comment il pourrait remplacer l'on fire. L'on fire, il faut le garder, quoi. Il me plaît trop, quoi. Salut, Néon. Je coupe, hein, je coupe le pseudo, vous m'en voudrez pas. Comme ça, j'ai moins de chances de faire des erreurs en le disant. On va pas le faire de face. Ouais, quoi que si, pourquoi je le ferais pas de face? Le regard. Ça serait un peu débile. J'ai pas envie de redessiner. Et salut Mikawa! Mikao 2A. Bon, on fait Mikawa. Voilà. Je trafique les pseudos maintenant. C'est un vrai scandale, quoi. Il ressemble à quoi le Rage et le On Fire? Le Rage. Il ressemble à ça. Hellfire. Il ressemble à ça. Tu penses que pour être graphiste, faut forcément savoir dessiner à la main, sachant que je suis très nul en dessin. Ah, non, non, on n'est pas nul en dessin, c'est pas possible. On ne peut pas être nul. Il y en a qui ont des prédispositions, mais on n'est pas nul. On reste mauvais. Voilà.
On peut rester mauvais, mais on n'est pas nul. C'est juste un apprentissage. Quand on n'est pas bon dans quelque chose, bah, il suffit de s'entraîner pour devenir bon. À la rigueur, il y a des choses qui sont difficiles à acquérir, comme l'oreille musicale, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Mais pour le dessin, c'est être mauvais. Moi, j'étais particulièrement mauvais quand j'ai commencé. Et petit à petit, j'avance progressivement. Mais j'ai commencé super mauvais, moi. Et coucou Smokey, salut. Chuffy, je suis toujours impressionné de la facilité que vous avez à dessiner les graphistes. Ouais, moi aussi. Ils m'impressionnent beaucoup. Un jour, je ferai comme eux. Et merci beaucoup pour les follow, Kegui, Skydark. Bienvenue à toi. Salut, Missile. Coucou ours des cieux, un petit ours des cieux pour un petit coucou d'âme. De toute façon, savoir bien dessiner, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Voilà, c'est du travail, c'est du travail quotidien. Moi, je suis encore loin de pouvoir faire tout ce que je voudrais faire. J'ai pas un niveau extraordinaire. Je suis pas trop dégueulasse dans mon domaine, mais voilà, j'aimerais explorer d'autres domaines. Mais c'est du travail tous les jours, tout le temps. Et coucou à toi, Razi. Et merci beaucoup à Kevgi. Non, Kevgi, j'ai déjà dit. Merci beaucoup à Lucas, à Smokey, à Zitoulax pour les follow. Coucou à tout le monde. Salut Brutus, comment vas-tu? Bon, j'espère que vous ratez pas trop le stream de Gotha. Je crois qu'il est toujours en route. Il était en route quand j'ai démarré. Ouais. En plus, j'ai failli démarrer en retard parce que j'ai bloqué sur la première game. Elle avait l'air trop bien partie, quoi. Alors je me suis dit, tiens, je vais la regarder jusqu'au bout. Et forcément, il est allé jusqu'au top 1. Bon, le dernier, c'était quand même un bon Bambi, quoi. Moi, je rate rien, je suis en live aussi. On est tous en live. Ouais. Ouais, le dernier, c'était quand même un Bambi. Ou alors, il avait plus de construction du tout, je sais pas. Mais il a pas placé un truc. Ouais, donc en super guerrier, je sais pas comment le mettre en scène, quoi. À part un rage, à mon avis, ça ira pas plus loin. Hein. Merci pour ta réponse. Si tu penses que c'est mieux d'être auto-entrepreneur ou de travailler dans une boîte? Si tu arrives à travailler dans une boîte, ça t'empêchera pas d'être auto-entrepreneur à côté, selon les libertés que te laisse ton patron. L'idéal, c'est quand même de travailler dans une boîte, hein, bien sûr. Enfin, l'idéal, non, c'est un choix de vie, quoi. Mais si tu as l'opportunité de pouvoir travailler dans une boîte dans le graphisme, moi perso, j'accepterais, quoi. Bon, moi, c'est pas le cas ne se présente pas, puisque moi, je suis auto-entrepreneur d'un côté et salarié de l'autre. Je cumule les deux casquettes. En faisant tout le temps les mêmes choses, Twitch Emote, tu arrives quand même à apprendre des choses de jour en jour. Ben, là, je commence à un peu moins s'avancer. Donc, normalement, à partir de. J'ai tout récupéré mes outils sur Photoshop. Parce que j'avais plus mes brushes. Donc, j'ai un peu refait tout mon setup dessin pour essayer de partir sur d'autres choses prochainement. Et coucou EpicSubset, hello. Alors que j'utilise quoi comme logiciel et comme tablette graphique? Voilà, j'ai mis les liens. Tout est indiqué. Je vais même remettre la caméra sur la tablette. Et non, je ne fais que des emotes. Pas de logo, pas de bannière. Que des emotes. Actuellement, en tout cas, voilà. I really need to learn some French. Sorry, I can't stream in English only. But maybe, in the future, who knows? Merci Hadès pour le follow. Et coucou à tous les arrivants. Ouais, donc je vais le laisser de côté là pour l'instant. Je vais partir sur le singe. Je sais pas du tout ce que je vais en faire du Gotha. Parce que si je le fais juste en mode énervé, quoi. L'intérêt est quand même limité, quoi. Salut. Bonjour. Ah,
I'm still stuck on sub-beige. Beiges. J'ai fait beaucoup de badges ces dernières semaines. I've done a lot of badges. Et là, je vais. Normalement, demain soir, je fais les badges de. Je fais les nouveaux badges de Trinity. Alors, je les ferai pas en live. Et en live, je ferai. Je ferai ces emotes. Il y a 4 nouveaux emotes que je dois faire pour Trinity. Donc, je les ferai probablement dimanche. Et je dois lui faire donc des badges. Donc, comme je peux pas tout faire en live, je ferai les badges hors live et les emotes en live. No idea what to do for them yet. I did have Aida. Heidi. Combien de commandes as-tu par semaine, mois environ? Alors ça, je saurais pas te dire. Je sais que le mois d'août, j'ai mis une infographie, une petite infographie toute pourrie sur Twitter. Je me rappelle plus combien j'ai eu le mois dernier. Si quelqu'un peut jeter un œil, il pourra te répondre. Je crois qu'il y a eu 280 dessins. Pas 280 emotes, 280 dessins, mais je sais plus combien de commandes, je crois qu'il y en a 850, un truc comme ça, mais je suis plus certain. Mais c'est variable, il y a des mois où il va y en avoir pratiquement beaucoup moins. Voilà, c'est très précis, hein. Pratiquement beaucoup moins. Ok. 171, d'accord, je te remercie Rio. Ouais, le mois d'août, là, il a été énorme, quoi. Hello Angelina, si tu passes par là, bah, je te ferai un petit coucou et je te dirai merci pour le auto-host. Si j'y fais, si je le fais pas en... Ouais, mais le truc c'est que on a demandé du DBZ, enfin du Dragon Ball à Jericho, parce que Gota a les cheveux qui s'y prêtent. Si je fais le singe en mode Son Goku, mais Son Goku d'avant, quoi, ben y a pas les cheveux, quoi. L'intérêt, il est un peu moindre. Je sais pas. Salut Bako, comment vas-tu? Coucou à toi. Si je fais le singe en mode Son Goku. Et je vais lui faire la casquette quand même. Il a un peu une tête de con là. Sans la casquette. Salut Ouplay. Et coucou à toi Cola. Salut Corentin. Coucou la bonne biture. La bonne biture. Si c'est pas un bon pseudo ça. En plus, j'ai une bière ouverte, tiens. Il n'y a pas de bière dead là pour me demander si les bières sont au frais. Comme ça, j'aurais dit non, elle n'est pas au frais. Elle est sur le bureau, la bière. Ouais, je vais y faire la casquette. Si j'y fais la casquette, ça va un peu. Ah, c'est. Et finalement, elle n'est pas facile la demande. C'est d'habitude, il me dit ouais, j'aimerais remplacer tel ou tel emote. Là, il m'a pas dit j'aimerais remplacer. Il m'a pas dit ce qu'il voudra remplacer. Il m'a juste dit qu'il veut du Dragon Ball, quoi. Et merci beaucoup à Corentin, à Neo et à Ouplay pour les follow. C'est super sympa, merci. Bien, et toi, tu es à la recherche d'idées? Ah ben, je suis pas... Salut Duct Tape, hello Duct Tape. C'est pas que je suis en manque d'idées, c'est que je sais pas dans quelle situation je vais les mettre. En gros, j'ai le singe de Gota et Gota à voir. On va faire un emote, hein. Attention. Donc on fait des essais pour choisir lequel sera le mieux au final. On va faire un emote. Et dans l'univers Dragon Ball, en gros. Merci beaucoup, Play. Salut, Dryzen.
DBZ avec une casquette. Ben voilà, c'est pas DBZ, hein. C'est le singe de. C'est le singe des emotes qu'on fait sur Gotha. On pourra même lui faire la boule. Bon, ça sera pas celle du grand-père à 4 étoiles. Bref. De toute façon, on fera des petits points. Allez, hop, on fait celle du grand-père, celle de papy. Tu prends combien de temps environ pour une emote complète? Alors, en moyenne, c'est 1 heure et demie. Love the new follow alert. Thanks. Et GG pour les nouvelles emotes. Bah, je te remercie, c'est super gentil. Oh, Ouzou avec les petits emotes de. Il y a un emote de Chacha et un emote de. Bah, de Maruma, donc, d'accord. Ceux de Maruma, je les connais pas par cœur. Et là, un petit emote de Varaniel. Bien, j'essaye de redeviner mes emotes. Oui, pendant les giveaways, c'est 1 heure. Et justement, n'oubliez pas que le prochain giveaway, c'est vendredi. Et vendredi, 22 h. Donc, pourquoi tu n'utilises pas les cheveux? Lesquels de cheveux? Je vous balance le lien pour le logiciel et pour la tablette, comme ça, Anis Anis, coucou à toi, tu auras le lien directement. Ce qu'il veut, donc il m'a dit qu'il voulait un emote avec la tenue de son Goku. Sauf qu'un emote c'est tout petit, hein, donc je voudrais pas non plus trop le charger. Donc on peut lui faire la tenue de Son Goku dans Dragon Ball. Donc c'était juste la partie orange avec le camé. Après si on fait un peu plus récent, on lui rajoute le t-shirt bleu dessous, je sais pas. Et j'ai envie d'y faire le bâton magique aussi. Je pense que le bâton magique il passe à rien. Hop. Ah, c'est pas facile quoi. Hein. Je sais pas trop ce que je vais lui faire. Hein. Bonjour à toi, XWNone. Streamer à 16 heures perdues mais qui stream pas. Et bonjour à Warp que j'ai pas vu passer. Puisque tu lui dis bonjour, c'est qu'il doit être là. On va trouver, hein. On va trouver des idées. Goku Super Saiyan était une bonne idée, je trouve. Bah, vous préférez quoi, quoi? Avoir un Super Saiyan, mais dans quelle situation on le met? On va remplacer l'orage, hein, j'en suis pratiquement persuadé au final. Et coucou Neoxy. On va sûrement remplacer l'orage. Le truc, c'est que je vais pas encore lui mettre les points devant parce que je les mets tout le temps. Mais le problème, c'est que je suis obligé de le faire, quoi. Je fais tout le temps, je fais souvent ça parce qu'au final, c'est la position qui se prête le plus, quoi. Essayer comme ça. Mais faut pas faire trop de mains non plus. Faut vraiment que la tête elle prenne toute la place. Tu fais des emotes depuis quand environ? Ça fait 3 ans que j'en fais. Ah, mettre des cheveux au singe plus que la casquette? Ouais. Ouais. Tu refuses beaucoup de commandes par manque de temps? Bah, j'essaye de répondre à toutes les demandes. Pour l'instant, j'ai beaucoup refusé en novembre, décembre. Et depuis, j'ai réussi à mieux m'organiser. Et non, actuellement, je refuse aucune commande. En tout cas, sur mon site, d'ailleurs, hop, je vous remets un coup le lien. Sur mon site, je ne refuse pas de commandes. Il reste toujours ouvert. Et je suis présent sur d'autres plateformes, et c'est donc des plateformes américaines. Et là, par contre, quand j'ai trop de monde, je filtre un peu. Ouais, des cheveux au singe. Bon, on peut essayer des cheveux au singe. Hein. Bon, on va faire un. Hop. On va faire un autre singe.
On va pas. J'ai pas effacé l'autre, hein. L'autre il y est toujours. Mais normalement, les singes, c'est les viewers, quoi. C'est pas Gotha, le singe. À la base. Bonjour, tu travailles pour qui en FR? En FR, j'ai fait plusieurs centaines, bientôt plusieurs milliers de clients. Donc plusieurs centaines de clients, il n'y en a pas beaucoup qui sont connus. Je travaille pour qui me donne du travail au final. Tu pourrais nous donner le nom du crayon pour le croquis et puis ton crayon pour le final? Oui, je tâcherai de te donner ça. Et si j'oublie, tu me le rappelleras. En FR, c'est moi qui fais les emotes de Skyheart, Skyrose, Trinity, Zoolux, Magla, Gotaga, donc forcément aussi. J'ai fait d'autres streamers. Chez Millennium, j'en ai fait un paquet. J'ai fait Lord DVD, j'ai fait Xsou. Lord DVD, tout cela, ils ont changé depuis. Hein. Xsou, j'ai fait. Enfin, Nox, il en a encore quelques-uns à moi. Qui j'ai fait? J'ai fait Nero aussi. Voilà, j'en fais. Et des connus, des moins connus. Moi, tu m'en fais trois. C'est lesquels? Alors, le rect. Waouh, ça fait un petit paquet de temps quand même. Parce que je m'en rappelle. Ouais, je vois bien que c'est mon style, mais je m'en rappelle même pas quand est-ce que je les ai faits. Mais c'est bien les miens, ouais. Comment Jericho t'a découvert? Par malchance, je suppose. Non, il y a. Je crois qu'il avait posté un message comme quoi il cherchait quelqu'un pour faire des emotes pour Gotha, ou peut-être, ouais, je crois que c'était, il disait que c'était pour Gotha, et il y a quelqu'un qui m'a notifié, j'avais même pas vu la notif, hein. C'est dire, et donc Jericho m'a contacté, et voilà, tout simplement, une notif. C'est toi qui as fait celle pour ADZ? Non, j'ai fait celle pour Azox, mais pas celle pour ADZ. Merci dame, au final pour m'avoir présenté Xsou, avec plaisir, hein. Avec plaisir, il cherchait, donc il fallait bien que, moi je connaissais les gens, donc autant lui proposer quoi. J'ai vu les emotes que tu y as fait, ils sont impeccables. Ah oui, le bouseux, ouais, j'oublie, ouais mais voilà, j'en oublie des tonnes quoi. Ouais, j'ai fait les emotes, hein. J'ai tout fait à l'obouze. Les emotes, les badges. Voilà, avec les cheveux, c'est beaucoup mieux et ça change de la casquette. Ouais, ça fait plus une tête. Mais je fais quand même le bâton magique. J'y tiens au bâton. Hein. Mais par contre, il veut dire quoi cet emote? Il veut rien dire. Il a fait celle de Blix. J'ai fait celle de Blix aussi. Ah oui, j'ai fait celle de Ronan aussi, tiens. Puisqu'on en parle. J'ai fait celle de Ronan. Et coucou Mills. Ah ça va super. Enfin ça va. Si tu me demandes si moi ça va super. Et si tu me demandes si ce que toi tu as fait ça va, ça va super aussi. Tu vas rigoler avec la couleur des cheveux. Ouais, mais en plus, il a dit, hein, la couleur des cheveux, elle va tirer vers le blanc à force. Donc ça va plus faire super guerrier à force. Donc qu'est-ce que j'en fais moi de cette emote? Jericho, tu es où? Aide-moi. Et du coup je fais du kawaii en trop grand nombre, ça va plus. Non, j'ai bien aimé. Tu as fait un truc qui n'était pas kawaii du tout. J'ai vu une illustration où il y avait deux persos, deux filles dessus. Je sais plus ce que c'était. C'était bien ça. Tu vas juste faire les croquis ou aussi les couleurs, le final, tout ça. En tout cas, GG, j'adore. Si on trouve une idée sympa, s'il y a un truc que vous voulez voir en couleur, je vais le faire en couleur. Si on trouve pas d'idée sympa et qu'on galère trop à te faire des croquis, on va enchaîner les croquis jusqu'à trouver un truc bien. Non, c'était pas une emote, Lucille. C'est vraiment une illustration. Je sais plus ce que c'est. Tu as posté ça aujourd'hui ou hier au pire. Au plus tard, c'était hier. Coucou Duny.
Même si à chaque fois je me fais avoir quoi. On a. Alors attendez, je vais vérifier. Coucou Kevin Jambon, je vais vérifier les emotes actuelles de Gotha. Ah mince. Hop, on va faire un hop Gotha. Est-ce qu'il a mis le singe qui pleure? Il l'a pas mis. Et il y a toujours le Gotha Zut qui est pas beaucoup utilisé. Est-ce qu'il pleure jamais en fait, c'est pour ça. Et si je faisais le singe en mode triste quoi. En mode de Son Goku, mais non, il faut le faire en super guerrier quoi. Je vais essayer. En mode super guerrier mais qui pleure. Totalement improbable, mais bon. Wow, merci Maroma pour le host, coucou. Coucou à toi. Alors, le bouseux t'a contacté pour les emotes. Il vient de faire un tweet pour avoir des idées d'emotes. Non, pas encore. Ah, bah, peut-être qu'il va me recontacter d'ici peu. Ah, c'est très bien ça. S'il demande aux autres de lui donner des idées, comme ça, il arrivera avec les idées. Ah, merci Nestor. Donc, le singe qui pleure, il y est. Donc, non. Ok. Alors, quand le doigt de pied cogne la table. Ah, c'est chaud, quoi, de trouver les idées là. Ah, vous allez m'aider, quoi. On va trouver un truc. Hein. On va trouver un truc. Hein. Qui ça, Lucille? Tu parles de le bouseux? Oh, le traître! Non, pas d'idée. Bon, bah, c'est moi qui vais devoir en trouver. Hein. En partie, Drazen. En partie. Ok. Bon. Alors, il veut une emote pourquoi? Ben, il veut pas une emote pour quelque chose. Il m'a dit. Ah, ben ça, Lucille, c'est sûrement Xou qui lui a dit. C'est sûrement Xou. Donc, Bako, c'est. Il a pas demandé une emote en particulier pour quelque chose. C'est juste qu'il veut ou un Gotha en super guerrier ou un singe en mode Dragon Ball. C'est là la difficulté. Coucou Dress, Death Green. Fais-le aussi ce mode en stress. Fais-le en mode stress quand le fight est serré. Ouais, genre presque mode langue quoi. Un emote pour le minigun, sa nouvelle arme fétiche. Ah, c'est chaud quoi. C'est chaud parce que j'ai pas les idées quoi. D'accord, ah ouais, ça je fais pas du tout en plus, hein, les logos. Et sinon, un emote de son sourire en coin. Putain, faudrait que. Salut le Grom, comment vas-tu? Salut Rider, ouais, c'est clair. Salut Dakidak. Donc là, on est en train de trouver. Donc n'hésitez pas à balancer les idées. Il y a Jericho qui a dit, je veux un emote super guerrier, soit avec Gotha, soit avec le singe. Donc on sait qu'il le faut un super guerrier. Coucou à toi Cosmic. Mais on ne sait pas dans quelle situation on va le mettre. Hein. Ouais, là c'est moi qui fais ce qu'il veut. Bah souvent, hein, comme le on fire, j'ai dit tiens, j'ai une idée, essaye ça. Et le on fire, il a super bien marché. Alors quand il fait une action de fou, ça pourrait marcher aussi. Ouais,
Bah ouais, un peu comme le on fire, quand il est en feu, quoi. Et merci énormément à tout le monde pour les follow. Merci à Tantan, merci à Swift4Wofi, à Saturne, à Nitro. Alors, j'ai une petite question. Je fais mes emotes en vectoriel, car j'ai horreur du bitmap, mais je pense que c'est toujours mieux en bitmap. C'est tout de même mieux en bitmap, je me trompe. Moi, je préfère en bitmap, oui, mais il y a beaucoup d'artistes qui font des emotes en vectoriel et ça marche très bien aussi, en fait. Ou en im. Ah, tiens, c'est bien ça. Ça, j'aime bien l'idée de Dresden. C'est le Genki-Dama. Non, à chaque fois, je l'oublie le nom de cette technique. C'est bien ça, le Take My Energy. Hop là. On va faire le Take My Energy. Vectoriel, plus c'est plus lisible, mais moins de vie. C'est exactement ça, quoi. C'est moins organique, comme je dis. Mais ouais, c'est carrément moins vivant. Mais ça marche super bien quand même. Le petit singe qui fronce les sourcils comme s'il était déterminé pour partir au fight. Ouais. Je vais essayer le Genki-Dama, je crois que c'est bien ça. Par contre, je sais pas si je le fais avec Gotha ou si je le fais avec le singe. Donc on va probablement le faire avec les deux. Je vais foutre ça en haut. Au fur et à mesure, je le rétrécis de plus en plus. Il ne va plus rien rester à la fin. Sinon, emote stream hack. Ah, stream hack, on pourrait le changer parce que ça fait longtemps que le stream hack il a pas changé quoi. En plus, je l'aime moyen le stream hack parce que le stream hack il est moins lisible. Il est moins lisible, je trouve. Hein. On va essayer le Genki-Dama avec le singe. Allez. Je mets juste le slow mode pendant quelques minutes le temps que je dessine, comme ça je rate pas trop vos questions. Mais voilà, juste pendant que je prépare le croquis, et je l'enlèverai après. Comme je vais moins être attentif au chat là pendant quelques minutes, je risquerai de rater tout. Est-ce que tu peux me faire une dédie? Je m'appelle Dean. Ben voilà, c'est fait. Une dédie pour Dean. Ouais, comment? Salut Dark Shooter, comment vas-tu? Bon alors, c'est quoi Dark Shooter ce soir? Ce qu'il va y avoir sur le stream de Bourri? Parce qu'il a dit qu'il avait deux exclus. Je sais pas ce qu'il va avoir comme exclu. Je suis curieux de voir ça, quoi. Si c'est pas indiscret, il te paye un salaire tous les mois ou suivant les commandes. Je fais pas partie moi de la Gotaga Corp. Je suis vraiment un intervenant externe. Je travaille pour tout le monde, pour toutes les personnes qui me passent des commandes. Donc non, non, je fais pas partie du tout de la Gotaga Corp. Et coucou à toi Maximus. Merci à Lyonnais pour le follow. Merci à Bass Bilbo, à No Park. No Spark, No Park. On va m'engueuler parce que on va bien avec l'accent là. Là, je l'ai même entendu, ça m'a irrité les oreilles. On va m'engueuler parce que d'habitude je fais le singe sans les doigts, d'habitude d'autres fois avec, et là je vais encore le faire avec les mains. Un super Dark, merde, je te remercie. Un petit personnage manette à la main avec deux écrans, un Fortnite, un stream de Gotha. Ouais, sur un emote, ça tient pas tout ça. Un emote sale gueule. Et tu travailles freelance ou tu as un autre job à côté? Je suis micro-entrepreneur et j'ai un autre boulot à côté. J'ai les deux casquettes. Oups.
Je suis pas convaincu de la main. Je vais juste finir la tête. On le fait en Super Saiyan 2. Non, les oreilles sont pas comme ça sur le singe. Et merci encore à tout le monde pour les follow. Tu aimerais en faire partie? Bon non, moi je suis bien moi. Je suis bien dans mon indépendance. Hein. Alors ce soir normalement c'est Strange Brigade 2018 ou oui Happy Few. Ouais mais Happy Few c'est pas une... Il a dit qu'il avait deux exclus. Oh, je verrai. En tout cas Strange Brigade il a fait hier. Je pensais que c'était deux nouveaux trucs. Alors c'est quoi la différence entre auto-entrepreneur et freelance? Un auto-entrepreneur par définition est freelance. En gros. Mais un freelance n'est pas forcément auto-entrepreneur. Il peut être, il peut avoir sa, une autre dénomination juridique. Il peut être, mince, qu'est-ce qu'il y a? Bon, enfin voilà quoi. C'est la, pour moi, c'est la même chose en tout cas. Si tu essayes de faire Gotaga qui boit dans sa tasse et essaye de mettre en, et essaye de mettre concurrence dessus. Ou je fais même un Gotha qui renverse le coca par terre. Vu que Gotaga vient de Gogeta. Ah ouais, pas bête. Oh là là, un mélange du singe et de Gotaga. Ah, c'est fort ça. Et tu es autodidacte? Ouais, autodidacte. Passionné de singe. Ouais, mais tout le monde me commande des singes, quoi. C'est un truc de fou. Non, non, je suis pas passionné de singes du tout. C'est, j'ai trois personnes en ce moment qui me commandent des singes. Donc j'ai pour trois streamers où je dois faire trois concepts de singes différents. Je galère. Voilà, une autre raison sociale. Et j'ai pas fait d'école de dessin, donc ouais. Tristesse. On dirait qu'il cherche à manger dans les cheveux. Ouais, j'ai fait trop. Ah, mais je sais pas comment le faire quoi. C'est bien beau de faire le Genki-Dama quoi, mais. On va lui faire les sourcils. Non, j'y fais pas les sourcils. Salut Lozac, merci beaucoup pour le host. Je ne savais pas que tu streamais. Bah oui, je l'avais prévu. Enfin, j'avais prévenu que je streamais soit ce soir, soit demain soir. Et je l'avais annoncé rapidement sur le Discord. Un singe avec des cornes de diable derrière son PC pour montrer qu'il stream hack. Mais j'aimerais trop trouver un truc pour le stream hack, quoi. Salut Joe la Queen. J'aimerais trop trouver un truc pour le stream hack. Parce que j'aimerais le remplacer, ce panneau là, tout pourri. Stream hack, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le stream hack hein? Coucou à toi, Ray Stardust. Non, j'ai pas du tout de... Je m'y connais pas du tout là-dedans. Il va pas beaucoup ressembler à un singe à force. Hein.
Alors, pour Jolaquin qui pose la question, je vais rappeler. Donc, la commande de Jericho, c'est soit le singe en super guerrier, soit Gotaga en super guerrier. Après, il faut trouver dans quelle situation on le met. Ni mode de face d'un perso avec un œil qui regarde d'un côté. Ah ouais, il n'y en a pas. Ou alors qui louche plutôt. Barre des feeds, coucou à toi, Seft. Barre des feeds avec un pseudo fan de Gotaga qui kill Gotaga. Ah, mais là en emote, non, ça tiendra pas. Deux écrans, même deux écrans, voilà, c'est encore sur un petit emote. Ça fait trop petit quoi. Et tu entends quoi par Super Guerrier? Ben, c'est une transformation de Son Goku dans l'animé Dragon Ball Z. Super Saiyan Ultra Instinct, non, parce que comme il a les cheveux, pour l'instant il a encore les cheveux blonds, c'est en rapport avec les cheveux quoi en gros. Pourquoi quand il se transforme en Super Saiyan? Ouais, bah c'est l'idée sur laquelle je suis parti là avec Laura autour même. Tu fais gagner quoi dans ton prochain giveaway? Je fais toujours gagner des emotes qui sont réalisées pendant le stream. Laura, c'est qui ça? J'ai pas osé le sortir, mais moi aussi j'ai eu ça dans la tête. Tu pourrais faire loucher le singe quand il rate des balles. Ouais, je fais la P90. C'est quoi? C'est une P90 qu'il a? Un truc comme ça? On pourrait faire un. Bon, on va oublier le super guerrier un moment. Juste le temps de le faire loucher pour voir. Je vais y faire les oreilles de plus en plus grosses. À chaque fois, j'y fais les oreilles un peu plus grosses. J'avais prévenu. Hein. Si j'ai pas l'inspiration, ça va pas le faire. Le super guerrier, mais qui a pris sa rouste? Ah, le super guerrier qui a pris sa rouste. Ça aussi, hein. Qui s'est fait totalement démonter la gueule. C'est possible aussi. Quand tu dis fais gagner des emotes, c'est que tu en dessines pour nous. Ouais, c'est ce que je fais depuis le. C'est ce que j'ai fait depuis juillet. J'ai fait gagner depuis début juillet 25 dessins qui ont été réalisés pendant les streams. Il y en a très très souvent, très beaucoup. Très beaucoup plein. Avec un pompe dans le dos? Non, j'ai déjà fait avec un pompe. Pas de pompe là. On va le faire loucher. Je vais faire les yeux un peu plus ronds. Même s'il faudrait pas les rapprocher un peu. Et merci à James Slow pour le follow. Quelle est la différence entre graphiste, infographiste et designer? Oula, on peut être designer dans de nombreux domaines. Là, ça m'échapperait, mais entre graphiste et graphiste, c'est qu'il y en a un qui va être. Help, aidez-moi. Lucille, si tu as encore la réponse. Tu as plusieurs spécialités. Moi, je suis graphiste print. Voilà, Death qui répond. Super. Merci, Death, tu m'as sauvé de la vie, là. Mais non, alors pas un masque, pas une personne normale, faire toujours le singe. Dans quelle situation on pourrait mettre le singe? Puisque le singe, ça représente les viewers. Donc un stream hacker, forcément, en tout cas pendant le stream hack, c'est un viewer quand même. Comment on pourrait faire pour mettre le singe en mode stream hacker? Les jumelles, ah c'est pas mal ça. On fait le singe avec les grosses jumelles et au-dessus on met. Alors je mets pas mettre stream hacker,
Je mets juste hack, quoi, parce que ça va faire beaucoup trop. On peut essayer ça avec les jumelles. Ah, j'aime bien aussi. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je prends plein d'idées, mais je vais pas au bout parce que elle coince. Et le singe avec des jumelles, ouais, pourquoi pas. Singe avec un masque des Anonymous. Je vais essayer le singe avec des jumelles. Bon, celui-là, on le vire. Je vais commencer par dessiner les jumelles. C'est que ça va faire un truc, un sale truc bien large quand même. Hein. Ah, il faut que je le fasse de face. Ah, ce qui est con, c'est que de face, ça va être moins bien, quoi. Je suis obligé. Ça, sinon, ça va faire vraiment un emote trop gros, quoi. Le problème, c'est que de face, est-ce qu'on va comprendre que ce sont des jumelles? Alors je regarde pas du tout le chat là. Si vous avez posé des questions intéressantes là pendant les 60 secondes qui viennent de passer, je vous invite à les reposer parce que je les aurais pas vues. Un singe qui regarde un phone, un singe un peu discret ou anonyme pour montrer qu'il regarde le stream discrètement. Oh, j'aime bien les jumelles quand même. Fais-le sur deux emotes au pire. Ah ouais, mais là, y a plus beaucoup de place. Hein. 50 emotes, ça part vite. Hein. À une longue vue, c'est un bon compromis, ça. Et juste des jumelles avec marqué Stream Hack. Oui, mais c'est pas du tout la demande. Là, on est parti complètement de la demande de départ. Hein. Parce qu'au départ, on est sur du super guerrier. Là, il est plus du tout en mode super guerrier. Ouais, le truc, c'est que voilà, on verra pas. Enfin, ça va être dur à comprendre que ce sont des jumelles. De face avec les deux mains dessus, ça passe, ouais, à voir. Ah mais voilà, ouais, la carte de crédit, on peut essayer de... On peut trouver un truc, je garde, je vais passer, on va essayer le truc des dons. Ça, je garde l'idée du stream hack. Je vais juste rajouter, hop. Parce qu'après je vais plus savoir ce que c'est. Avec les couleurs ensuite on verra mieux. Oui, avec les couleurs ça rend tous les emotes là avec en couleur. Une fois qu'ils seraient en couleur, ils seraient exceptionnels quoi. Enfin non, ils seraient bien. Attention. Merci à Skage pour le follow et navré à tous les follows que je rate. Et coucou à tout le monde. LOL Cossis. Fais les lunettes avec les mains du singe et emote don un super guerrier. Voilà, ouais. Je vais rajouter On va faire la carte bleue. Thank you.
verrai ça. Un billet avec le logo de Gotha. Ouais, j'aime moins. Mais ça serait bien ça, le singe en super guerrier qui tend la Mastercard. Il est super chaud pour payer, quoi. Ça pourrait changer les pigeons, quoi. Le pigeon, il a fait son temps. J'ai jamais trop aimé le pigeon. Je sais pas si vous l'aimez. Moi, j'ai jamais trop aimé le pigeon. Il a jamais de dents alors, ou il s'affiche pas? Ouais, bon, ça peut être utilisé pour lui quand tu craques la CB aussi. Hein. Gotaga est arrivé au 50 emotes sur sa chaîne. Ah ouais, il y a de très nombreux mois. Je crois que c'est en janvier. En janvier, il les a atteints les 50. Hein. Janvier, février, grand max. Hein. Et il les aurait dépassés s'il y avait eu d'autres paliers, quoi. Pour le stream hack, un singe avec sa capuche, avec la tête toute noire et juste les oreilles qui ressortent de la capuche. Alors j'aimais bien le coup du masque Anonymous aussi, mais manque le petit truc, ouais. Ah, c'est chaud, hein. Bonjour AFK, je re... Après, j'espère voir le super don quand je re... Ah, mais du coup, lui, c'est pas un singe, donc ça fonctionne plus. Oh, on est tous des singes. Même lui. Une balle qui atteint une tirelire, non, il faut que ce soit quand même... soit le singe en super guerrier. Les consignes de Jericho, c'est... Tu me fais un singe en super guerrier ou un Gotha en super guerrier. Et on voit ce qui marche. Lol, la Noupinou. À toute, Death. Bon appétit. Julgun, ça marchera pas en emote. Trop petit l'emote. J'y fais la casquette ou pas? Ouais, j'y fais la casquette à l'envers. Je la fais des fois. Sur le lurk, j'ai fait la casquette à l'envers. Il passe bien, quoi. Sinon, avec la carte, ça va faire trop charger, quoi. Ah non, mais non, je suis bête. Hein. Faut faire les cheveux en super guerrier, quoi. J'oublie vite, hein. En 2 secondes, j'ai oublié ce que j'étais en train de faire, quoi. Ah, c'est dommage si Jericho était pas en train de manger. Enfin, je suppose qu'il est en train de manger, puisqu'il a toujours faim. J'aurais posé la question. Fermé. Cherche des idées. Sur un carré, ouais, ça passe. À voir. Allez, on va garder cette idée aussi de côté. Après, on verra si on en met une en couleur ou pas. Pour l'instant, on cherche des idées. Alors. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Ouais, bah le streamer qui peut rendre, hein, mais je sais pas si une fois que l'on. Avec la couleur, je sais pas si on arrivera à capter que c'est des jumelles, c'est ça qui m'embête. Ah, ça m'embête, j'ai trop envie de l'essayer, quoi. Et sur le singe Donut, tu pourrais faire une dent en or avec un éclat brillant. Ah, faut pas trop. Je veux pas trop le charger non plus, mais ouais.
On va trouver, on va trouver. Donc on a dit la gueule défoncée. On a quoi actuellement pour le rip? Alors attendez. On a quoi actuellement pour le rip? On a un truc tout pourri quoi. Actuellement le rip c'est la tombe avec la casquette. On pourrait faire la tête défoncée comme il y avait tout. On m'avait proposé tout à l'heure. En arrivant j'ai pensé que c'était des lunettes. Ouais alors avec la couleur ça va peut-être être pire. On pourrait changer le rip. Le faire en mode Saiyan mais bien, bien la gueule pétée. Et on peut marquer le rip dessus, quoi. C'est un guerrier avec une carte bancaire dans la main, une paire de jumelles avec les Streamac et dessus, et des explosions partout. Et deux écrans aussi. on va essayer le singe avec la gueule un peu amochée. Fais les cheveux à l'arrache. Hein. Ah, c'est pas. Le truc, c'est que le singe est en mode de super guerrier, quoi. C'est pas. C'est pas terrible. On va le faire à l'ancienne avec la casquette. Bonjour dame, les prix de prestations sont-ils dégressifs si on commande dans un certain nombre d'emojis, par exemple 10? Sinon ton travail est vraiment super, bravo. Bon, y a toujours moyen d'arranger les choses. N'hésite pas à me contacter en DM sur Twitter ou sur le Discord. Je vous remets le lien du Discord. Et tu m'expliqueras ce qu'il te faut et je peux voir ce que je peux proposer, bien sûr. Alors, salut mec, quel emote de Gotha dont tu es le plus fier si c'est pas français? Ouais, il y a mon préféré. Je vous le mets, Gotha. Hop, c'est celui-là. Voilà, mon préféré, c'est celui-là. Ça sert à quoi l'espèce de gant en caoutchouc que tu as? Non, c'est un gant en synthétique qui me permet de glisser plus facilement sur l'écran en fait. Donc il faut l'exagérer au maximum parce que le problème c'est que comme c'est petit, on comprendra jamais. Et comme en plus j'envisage de rajouter du texte dessus, on le rajoutera hop, derrière. C'est une idée. On peut faire un rip comme ça, pourquoi pas. C'est l'emote que j'utilise le plus. Moi, c'est mon préféré. Salut Nate. Ouais, ça va super, je te remercie. Coucou à toi. Une tête qui explose à cause d'une balle. Ouais, c'est. On peut lui faire une balle aussi.
Et là, c'est la totale, le pauvre. Alors, si je veux être designer graphique, mais que je pratique seulement Photoshop et rien d'autre, c'est vraiment dérangeant. C'est toujours dérangeant de s'enfermer dans un seul domaine. Donc, après, se spécialiser, c'est bon aussi. Donc, d'une personne à l'autre, tu auras des réponses complètement différentes. C'est à voir. Et l'emote aim, ça pourrait être trop bien. Oui, aussi. Il n'en a pas? D'accord, je te remercie, Dowell. Super. Attendez. Hop, de retour. Ok. Salut Mata. Ceux-là, je les trouve pas ouf ouf. Ben, ils étaient bien au début. Après, ouais, c'est bien si on les change. C'est pour ça que si on fait le rage, il changerait celui en mode rage. Après, celui où il pleure et où il rigole derrière, il est bien quand même. Ouais, je sais pas. Après, c'est dur, hein. Il y en a peut-être plein, mais ils sont presque tous utilisés. Ou sinon, on vire le tututu, quoi. Il a tellement servi, il est usé à force. Et là, je me fais pourrir, quoi. On vire le tututu. On vire le my time. Car moi, je veux juste faire des logos d'entreprise, bannières, miniatures, web. Bah, des logos d'entreprise déjà sur Photoshop. Là, tu t'enfermes dans quelque chose qui correspond pas. Faudrait plus que tu apprennes alors à te diriger vers du Illustrator, enfin, partir dans du vectoriel, quoi. Il y a un slow mode de combien de secondes? Juste 30 secondes. Il y a un slow mode de 30 secondes le matin. Obligé. Sinon, j'arrive pas à suivre. Déjà, même là, j'ai du mal. J'ai du mal à trouver mes idées, quoi. Donc, on a fait le rip. On a dit. Alors, je vais remonter le chat parce que ça y est, j'ai perdu le bad. Eh bien, lourd. C'est pas du bad. Mince, je sais plus duquel je parlais, quoi. Mince, de quelle emote on parlait? Ah non, là, ce matin, c'est Jericho qui a fait un peu de pub, c'est pour ça. Mais voilà, celui avec les flammes, je savais pas quoi faire. Enfin, Jericho était pas convaincu de. Il n'y avait pas le petit déclic. J'ai dit, bah attends, j'ai une idée, je vais faire un truc. New sub et sub hype, franchement, c'est clair pour l'arc qu'on pourra en virer un des deux quand même. Voilà. On pourrait virer le new sub, par exemple le sub hype, il fonctionnerait très bien pour les deux, quoi. Le Gotaga Flash est jamais utilisé, ouais. Enfin, il n'est pas souvent utilisé, mais il sera utilisé de nouveau quand les Master Keys vont reprendre. Hein. Je suis persuadé. Le Potato, on peut le virer aussi. Le Chucky, il sert en ce moment. Hello, le Shogun. Ouais, il y en a quand même pas mal qu'on pourrait changer. Salut Berlotte. Je crois que c'est la première fois depuis que tu viens que je prononce ton nom bien du premier coup. Master Kill vaut pas mieux en faire sur une seule emote? Non, 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 non. Master Kill est très bien comme ça. Le potato. Si on le remplaçait.
Le potato, c'était pour dire qu'il visait comme un nul, quoi. Hein. Et c'était avec le shotgun. Vu qu'il se sert plus trop pour le. Il se sert plus trop du shotgun en plus. Les emotes que tu fais sont toutes pour Gotha, ben c'est pas que toutes, c'est une. Là on en cherche une. Ah, j'ai pas dit le TV. Je dis pas le TV. Ah, le chute. Non, le chute, il est bien. Tu peux les changer ou les refaire. Non, mais on pourrait faire quelque chose pour le sub, quoi. Mais carrément, quoi. Si on fait le singe en mode enflammé, mais avec le texte sub. Oh, le Genki-Dama, mais au lieu que ce soit un Genki-Dama, c'est le sub. Voilà, on le tient là. Là, on a la totale. On a le sub qui est refait. Alors, par contre, dans un carré, on verrait que le haut de la tête du singe. Ce serait pas la peine de dessiner toute la tête. Bon, je sais pas comment on fera les yeux. Mais ouais, on peut partir sur cette idée, quoi. On refait le sub, sauf qu'on le fait en mode Genki-Dama, quoi. Je passerai sûrement plus tard. Bonne continuation et bonne stream. Bonne soirée à toi, rapidement. C'est Jericho qui choisit les emotes. En l'occurrence, ouais. Enfin, il m'a juste dit qu'il voulait du Super Saiyan. Soit avec le singe, soit avec Gotaga. J'ai failli dire soit avec Goku. Lapsus. Donc, une fois qu'on aura trouvé le bon concept, je fais la couleur sur l'emote. Je ne sais pas, Mata. Et coucou Tedale là. Salut Florian. J'ai envie d'essayer celui-là, quoi, en premier. Il correspond totalement à ce que Jericho demandait, quoi. C'est-à-dire, ou un Gotha ou un singe en mode Super Saiyan. 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 Je dis Ronan et je dis Saiyan. Au lieu de dire Ronan et Saiyan. Donc voilà, et on fait le sub en mode Genki-Dama. Avec un peu d'énergie autour. Ah, ça peut le faire. Hein. Moi, j'ai envie d'essayer ça, quoi. On va essayer ça. De toute façon, il faut bien essayer quelque chose parce que je vais pas faire des croquis toute la soirée non plus, quoi. Salut Lou, comment ça va? Bah, je te remercie, c'est gentil. Celui avec la CB, je l'aime bien aussi, quand même. Celui avec la CB, à mon avis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mort de rire, Jericho, il voit une émote chez quelqu'un d'autre qui lui plaît, il passe commande direct. Ouah, pas là. Là, il a pas passé. Non, là, c'est au contraire, c'est le chat là qui lui a dit, ouais, ça serait trop bien d'avoir des émotes en super guerrier. Donc il a dit, allez, on envoie un super guerrier. Coucou Joachim, et salut James Slow. J'adore l'emote sub en mode Genki. Ouais, les emotes sub, ils sont très très vieux. Hein. En plus, c'est pas moi qui les ai faits. Donc moi, quand j'ai refait tous les emotes, je les ai refaits en décembre. Donc ils datent de sub. Ils ont peut-être plus d'un an, si ça se trouve. Hein. Ça marche, Mata. Bah, à tout à l'heure peut-être. Hein. Bon appétit. Et le stream hack, ouais, il peut être sympa, mais on n'arrivera jamais à deviner que c'est des jumelles. Ou alors, il faut que je donne de l'angle. Mais si je donne de l'angle... Ce sera moins beau au niveau des yeux, c'est à voir. Un singe avec un maillot Vitality noir et jaune. Ouais. Alors peut-être que du Vitality, il y en aura bientôt, mais il y a déjà. Ouais, je sais pas. À voir. On va faire le sub. On va voir ce que ça peut donner avec le sub. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa avec. Je vais l'agrandir après. Je vais rebalancer les croquis sur le côté.
histoire de laisser les autres idées à l'écran. Au pire, tu demandes à Jericho de venir voir lesquels il préfère. Ouais, mais je préfère proposer un truc déjà en couleur. Parce que les croquis, des fois, on peut avoir du mal à se projeter. C'est toujours plus beau en couleur. Mais le sub, j'y crois. Le sub, je suis sûr qu'il peut passer. Et j'aime bien le CB pour les Master Kill. Ouais, en plus, les Master Kill, ils vont reprendre dans pas longtemps. C'est vrai que le CB, il peut... Ah, j'ai trop envie de faire les deux maintenant. On va finir juste les deux. Allez, on va arrêter de chercher des idées. Et on va se concentrer sur le sub et sur le Master Kill. Et sur le CB. Je pense que les deux idées, elles peuvent être sympas, quoi. Alors, je vais refaire un croquis par-dessus le croquis, histoire de le faire un peu plus propre. Et merci beaucoup pour les follow. N'hésitez pas à lâcher du follow, tout le monde, si vous voulez voir les prochains streams et avoir les alertes. Et moi, ça me permettra d'atteindre mon objectif de 3500 avant la deadline du 31 décembre. Bon, après ce week-end, enfin le week-end passé, on a fait un stream des 3000. Donc là, je suis pas prêt pour faire le stream des 3500. Hein. C'était quand même sympa. On avait fait des dessins avec des filles. Et là, il y a déjà d'autres défis qui sont prévus pour... Non, j'ai dit que j'allais refaire le croquis, pas que je dessinais le final. Je parle et je sais pas ce que je fais. Merci pour les follow, merci Obito. Oh, Obito Uchiwa. Eh ouais. Il y a plusieurs Uchiwa en plus qui passent sur le stream. C'est le stream du clan des Uchiwa ici. Aller très bien. Je le sens bien le sub. Je pense que Jericho il va valider. Après je voulais faire aussi un emote supérieur à juste la flèche en mode vitality quoi, en mode jaune supérieur pour faire Gotaga supérieur à Jericho, Jericho supérieur à Gota, faire un emote Owen aussi. Quoique non, même pas besoin quoi, avec le Owen il balance le feel bad avec la casquette, on sait que c'est le sien, ça aurait pu être rigolo quoi. Tu fais quoi quand tu arrives pas à trouver d'idée? Je passe à autre chose, je passe à un autre dessin. Je laisse de côté et je reviens après et hop les idées reviennent. Des fois il vaut mieux passer à autre chose que rester. C'est qui Owen? C'est Xone Reflex. Ou alors c'est un troll, tu sais très bien que c'est Xone Reflex. Owen, c'est celui qui a pas réussi à battre Jericho en 1v1 et à cause de lui, bah, j'ai perdu mon pari contre Jericho. Mauvais ce Owen quand même. Je vous disais que je faisais les oreilles de plus en plus grandes. Tu as fait combien d'emotes pour Gota? Une soixantaine depuis le début. Plus d'une soixantaine. Il y en a 49 actuellement sur le stream. Non, un peu moins. Ça... Sur le stream, il y en a 52. Il y en a 48 actuellement sur le stream. Voilà, à une près. Et il y en a qu'on a refaites depuis, puisqu'on a rafraîchi quelques-unes. Donc, ouais, bien plus qu'une soixantaine, puisqu'il y a aussi celles qu'on n'a pas retenues. Donc, un paquet. Faudrait un jour que je regroupe tout. Je le disais déjà à l'époque, quand j'ai fait les premières.
quelle est la première emote que tu as réalisée? La première emote que j'ai réalisée, c'était pas une emote en fait. C'est un dessin que j'avais fait pour un streamer et qui au final a été utilisé comme un emote. Donc, et c'était pour Bourinator, c'était un portrait en mode rage. Le premier truc que j'ai fait donc, c'était du rage. Alors attendez, je vais juste enregistrer l'emote donc que je suis en train de faire, Gotha, que je m'y retrouve dans ses répertoires. Et on va l'appeler Genki Sub. Voilà. Genki Sub, c'est très bien. Voilà, tu fais combien? Ça j'ai lu. Poupouf, quelle est la première? Ça je l'ai lu. Bonsoir, et ça paye pas mal. La question sur le volume, ce qu'il y a, c'est que j'en fais énormément. Donc au final, ça permet de pouvoir envisager l'avenir avec. Mais voilà, c'est parce que j'en fais vraiment énormément. Salut d'Exterminer! En tout cas, si moi ça me fait pas bien vivre, ça fait bien vivre l'État. Parce que c'est l'enfoiré. Il fait mal. Après, on a beau me dire, oui, mais au plus tu en donnes, ça veut dire que si tu en donnes beaucoup, c'est que tu en reçois beaucoup. Ouais. Je préférerais tout garder, quoi. Donc je vois développeur, c'est la bonne réponse. Tu faisais quoi avant de faire des emotes? Ouais, je fais toujours, hein, je suis analyste programmeur, donc développeur, si on veut, pour simplifier, tout à fait. Et tu fais payer combien pour tes dessins? Hop, sur le site, il y a les tarifs. Commande bizarre, j'ai eu récemment. Alors, je les oublie, hein, parce que j'oublie tout le temps tout ce que je fais, bien sûr. Mais je sais que récemment, il y en a une bizarre que j'ai eue. C'est quelqu'un qui m'a demandé de faire un pouce, un gros orteil, avec l'ongle noirci, malade, dégueulasse. Et bon, voilà, c'est rigolo, mais ce qui était moins rigolo, c'est qu'il m'a envoyé des photos d'exemples, et c'était dégueulasse, quoi. Donc, la commande en elle-même, elle était un peu bizarre, mais la façon dont il me l'a passée, c'était encore. Voilà, c'était rigolo, quoi. Salut Entertre, comment vas-tu? Allez, on va essayer, on va faire la couleur sur celui-là. Donc, je fais les contours définitifs. À faire les oreilles légèrement plus petites quand même. On va déborder un peu. T'as refait le Jericho? J'ai fait plusieurs essais pour Jericho. J'en ai montré qu'un. J'en ai fait trois. Mais les trois ne me plaisaient pas. Donc j'en ai montré un et j'ai pas montré les autres parce que voilà, ça. J'étais pas convaincu. J'attends d'avoir le truc. Analyse programmeur, ça consiste en quoi? Ben c'est je fais donc je fais du code et je fais aussi de je fais énormément on va dire de la base de données, de la reprise, de l'injection, de la migration. Et donc je fais beaucoup de décortiquage de bases de données pour savoir comment est faite celle d'où ça vient et comment est faite celle dans laquelle je mets ce que j'ai récupéré d'un côté. En gros, pour faire vite et pour pas trop déborder dedans, puisque j'essaye quand même de rester un peu dans l'univers du dessin quand même. Et au plus je parle, au moins je dessine et au plus je fais des bêtises en plus, comme je suis un boulot, comme je suis un boulet. T'as pas été tiré au sort récemment en théâtre. Alors ça fait longtemps que tu travailles avec Gotha. Alors je travaille pas avec Gotha, hein. Moi je suis totalement indépendant. On m'a passé des commandes pour Gotha depuis décembre. Voilà.
Bon appétit, James Lowe. Bah, je te remercie et bah, à très bientôt. J'espère. Quoique moi aussi, il faudrait que j'aille manger. Dès que je vais finir ces deux emotes, j'ai la dalle, quoi. Et après, je vais aller bouffer, quoi. De toute façon, c'était censé être un petit stream, là, ce soir. Alors, j'y fais pas trop de cheveux sur les côtés pour essayer de rester raccord avec la coupe actuelle. Tu devrais faire un stream bot pour les questions sur Gotha. Oh, il n'y en a pas beaucoup de questions sur Gotha. Enfin, je pense quand même. Pourquoi tu t'es décidé à faire des emotes par la force des choses, parce que comme je disais au début, mon premier emote ce n'était pas un emote, c'était un dessin pour un collègue. Et finalement, on s'est dit, oh, bah tiens, maintenant que tu as des emotes, on va s'en servir pour tes emotes. Et après, on s'est dit, bah, vu qu'on en a un, on va en faire d'autres. Et après, il m'a dit, bah, vu qu'ils sont bien faits, tu devrais en faire pour d'autres personnes. Et ça fait 3 ans. Et j'ai jamais arrêté au final. Je suis tombé dedans et j'ai jamais réussi à en sortir. Pour la Jericho, tu as pensé à faire un mec de dos avec un maillot floqué Jericho et le numéro 10? Non, j'y ai pas pensé. Après, voilà, Jericho. Je veux pas écrire Jericho parce que c'est trop long à écrire. Les prochains emotes que. Enfin, si. Quand je referai l'emote, ça sera un way to G. Alors, quand on gagne un giveaway, comment on te demande ce qu'on veut? Alors, quand on gagne un giveaway, on réfléchit rapidement pendant les quelques minutes que dure le tirage, histoire de se dire, bon, si je gagne, j'y demande de ça. Et après, une fois que le tirage a été fait, si tu gagnes, ben, tu me dis sur le chat, tout à fait. S'il y a des photos à envoyer, s'il y a des références particulières, ben, ça, tu me les envoies soit sur Discord, soit sur Twitter. Et parce qu'il faut savoir que le giveaway a une spécificité, c'est qu'il est réalisé en 1 heure chrono. C'est-à-dire que dès que le tirage au sort a été effectué, je lance un chrono. Et on ne dépasse pas. Donc il faut vraiment de pas perdre trop de temps sur l'idée, parce que les 2-5 premières minutes, je déclenche pas le chrono, mais au bout de 5 minutes, quand même, je le lance. Hein. Donc voilà. T'as toujours la photo de ta première emote? Ouais, je l'ai toujours. Et je sais même pas si elle n'est pas encore utilisée, quoi. Dès qu'il faut le gagner, il y a de la concurrence. Ouais, oh, ça va, il n'y a pas trop de concurrence. Hein. En général, il y a entre 35 et 45 participants sur les giveaways. Oui, Vintageeks, voilà le site, l'adresse de mon site. Et pendant ce temps, on parle de série avec Dan DSN pour gagner du temps. Oui, parce qu'il y a une autre règle, c'est que si j'arrive pas à réaliser l'emote qui m'a été commandé, enfin qui a été gagné, si j'arrive pas à le réaliser en une heure, ben, je fais un deuxième giveaway derrière. Donc en général sur le chat, tout le monde essaye de me faire perdre du temps pour que j'arrive pas à le finir. Donc celui qui l'a gagné, il est dégoûté bien sûr. Et si on arrive à me faire perdre assez de temps, ben, derrière, je fais un deuxième giveaway. Tu fais des caricatures? Non, j'en fais pas. C'est moins pire de gagner au loto, mais quand même. Ah, ça va, une chance sur 40. Hein. J'espère que je vais gagner vendredi, mais après, comment tu nous l'envoies? On peut la mettre sur notre Twitch? Ouais, complètement. Donc après, je l'envoie soit par Whisper, quand les personnes, je les trouve que sur Twitch. Si elles sont sur Discord, j'envoie sur Discord, sur Twitter. Moi, je peux les uploader sur mon serveur. Donc si c'est sur Twitch, je leur donne le lien, ils peuvent le télécharger. Et après, le dessin qui est gagné, donc c'est au format emote, il peut être utilisé comme emote sur Twitch, mais des fois, il y en a qui gagnent et qui ne streament jamais, bah, ils se servent du dessin en tant qu'avatar sur Twitch, et ça marche très très bien aussi. Donc oui, c'est possible. Donc on va le faire comme ça, on va mettre les couleurs et on mettra le texte à la fin.
Ouais, il est tellement fait à l'arrache quand même. Je crois que je le referais au propre. Hein. S'il n'est pas très propre quand même. Il est tellement pas propre. Hein. On va lui faire les oreilles jaunes. J'y fais tous les poils jaunes au final. Je sais pas, je peux pas lui faire les poils marrons quoi. C'est comme Vegeta avec la moustache dans. Il avait la moustache dans Dragon Ball GT. Bon, GT n'existe pas, mais. Yoko, moi par exemple, j'ai ton emote en avatar. Ben voilà, vous pouvez jeter un œil à Silver Crown. Le 31, c'est mon anniv. Ah, peut-être que le karma va vouloir que tu gagnes. Est-ce que je reproduire l'emote d'hier sur un tableau pour le mettre dans une charte? Ah oui, j'ai vu ta question en tertre, j'ai pas répondu. Oui, mais il va être trop petit, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il est petit. Hein. Et j'ai peur que. Ou alors, si tu le redessines toi. Ah, si tu le redessines toi, oui, carrément. Rouge comme Gogeta. Ouais, je sais pas, au niveau des poils. Pas savoir trop comment faire, hein, quoi. Mais c'est vrai que si on fait un hype, l'avantage c'est que ça va remplacer quelque chose qui est pratiquement pas utilisé. Et en plus, bon, il y a le sub-hype et le new hype, new sub. Les deux, ils se mélangent un peu, quoi. À l'arrache, c'est mieux que ce que je pourrais jamais faire. Non, pas, il faut pas dire jamais faire. Que tu peux dire, c'est mieux que ce que je fais actuellement, mais si tu travaillais. Oh là, je suis pas assez doué. Ah, faut essayer en terre près, c'est possible. Mais oui, en l'état, quand tu vas vouloir le mettre sur un format un peu plus grand, il va être pixelisé parce qu'il est trop petit pour ça. On va changer la couleur parce que c'est un peu rose, un peu trop rose. Complètement les remplir. Et salut Nazooks, merci pour l'auto-host, même si tu n'es pas là. J'ai dit quand même merci et salut. À chaque fois, je vois trop tard que c'est un auto-host. Si tu le fais sur Photoshop, il sera aussi pixelisé. Si tu le mets en plus grand, tu parles en tertre là? Si tu parles en tertre, oui. Si tu parles à moi, j'ai pas compris la question. Ah oui, ça y est, j'ai compris la question. Oui, tout à fait. Oui, absolument. À 100%. C'est pas Photoshop ou Clip Studio qui en est la cause. Hein. C'est le type de dessin.
Ça fond à vue d'œil au fur et à mesure quand on vend sur Fiverr. C'est emote pour Gotha, ouais, c'est une question. C'est une emote. Lire en même temps que je réponds, c'est très mauvais ça. C'est une emote pour Gotha. C'est une proposition. On va voir, peut-être pour changer le sub. Comme Jericho voulait des super guerriers. Donc, soit Gotaga, soit le singe. Ben, on a fait le singe en super guerrier et on va voir ce que ça donne en faisant. Comme si c'était un Genki Lama, mais sauf que c'est un Genki Sub, quoi, en gros. Merci Beowulf à l'interview de juillet, ouais. D'ailleurs, la prochaine interview de Cebu, ça va être Trinity, justement. L'emote RIP, bah, d'abord, je ferai celle en la CB. D'abord, je vais essayer la CB. Tu trouves pour ton emote? Ouais, bon, ça va, il y a quelques idées là. Il y a eu la CB, il y a le Genki Dama. Et c'est l'emote que l'on veut ou c'est toi qui dessines un emote que tu crées de toutes pièces? Ah, ben c'est vous qui me dites ce que vous voulez. Hein. Lors des giveaways, c'est. Vous me dites exactement ce que vous voulez, moi je fais ce que vous voulez. Et tu mets en vente à 30 dollars et à la fin tu te retrouves à payer le site pour la vente. Bah, regarde sur. Voilà, si je fais l'exemple de Fever, c'est arrivé en euros déjà, tu te retrouves avec un peu moins d'une vingtaine d'euros. Derrière, tu as la TVA que tu dois. Donc tu dois rembourser la TVA. Derrière, tu as l'URSSAF. Et derrière, tu as encore les impôts sur le revenu. Donc au final, sur quelque chose, sur Fiverr que tu vends 30 dollars, il te reste 10-12 quoi. Ça fond, mais tellement à vue d'œil. Enfin 10-12, j'ai pas calculé exactement, peut-être 12-14 plutôt. Ah non, c'est obligatoire. Fiverr, c'est PayPal obligatoire. Fiverr, il n'y a pas le choix. On est obligé de passer par PayPal. Toute simple mais très adaptée à la chaîne. Bah, je te remercie Mathieu. Ah bah oui, bah Fever, voilà, pour s'y retrouver, faut en faire beaucoup. C'est vrai que si tu envoies tes clients vers Fever, c'est pas intéressant parce que forcément, Fever, bah, il se prend 20% au passage, quoi. Mais après, si c'est pour développer ta clientèle et toucher des marchés auxquels tu toucherais pas, bah, ça peut être intéressant. Moi, Fever, je continue à travailler dessus parce que sans Fever, j'aurais aucune vente en dehors du territoire. Elle est en dehors de l'Europe parce que sur mon site, quand même, je vends un peu dans toute l'Europe. Mais voilà, j'aurais rien en Asie, j'aurais rien aux États-Unis surtout. Donc pour moi, Fever, c'est aussi important que le reste. Et merci pour le follow d'Exterminer. Faut obligatoirement être déclaré, ben en France, oui. C'est un peu la loi, quoi. Après, je crois qu'en dessous d'un certain montant, allez, je suppose qu'en dessous de 300 euros dans l'année, tu craindras pas grand-chose, hein, si ça se trouve. J'en sais rien. Hein. Mais voilà, quand c'est une activité professionnelle, puisque je suis micro-entrepreneur, tu as intérêt à tout déclarer, quoi. Bon, on va lui faire de l'énergie autour. Et après, on va faire le texte. J'ai même pas fait. Ah ouais, j'ai fait la moitié du dessin, quoi. Je me suis même pas occupé des yeux, de la bouche. C'est que dalle, quoi. Je me suis dit, ouais, ça va peut-être. Les ombres, elles vont se faire toutes seules. C'est que j'ai fait très foncer la bouche au départ. Alors tu peux dire à tes clients de passer une commande sur ton site, au pire s'ils te contactent avant de passer commande. Oui, uniquement s'ils me contactent en dehors de Fiverr. Quand on me contacte en dehors de Fiverr, ben, je donne mon site forcément. Mais à partir du moment où une personne elle m'a dit bonjour sur Fiverr,
C'est interdit, c'est dans les termes de service de Fever, c'est super, super sévère, hein, attention. Et ils lisent les discussions entre les personnes sont lues aléatoirement, donc faut pas trop s'amuser à ça. Donc à partir du moment où une personne m'a contacté sur Fever, jamais je sors de Fever et voilà. Ça va, c'est correct, Dexter. Ça peut suffire. Tu peux dire à tes clients, non, ça je l'ai déjà lu. Gotha, les cheveux gris platine. Ouais, tout à fait. Donc, il a plus les cheveux en mode ultra-instinct, hein, au final. Oui, je fais toujours. Non, Tantan, pas. Dès qu'il y a des gros. À partir du moment où une personne, elle vient souvent, à partir d'une. Ou quand j'ai une grosse commande, j'arrondis toujours les prix. Hein. C'est pas Gotha spécifiquement qui a des conditions particulières. Il y en a d'autres qui ont les mêmes conditions que lui tout le temps, quoi. Dis-moi, dame, si je te commande mon lapin crétin homme, possible de le faire en grand? Ah, ben oui, il y a. Sur le site, il y a toujours possibilité de passer les commandes en HD, enfin de prendre l'option HD. Donc voilà. Et sur ton site, tu as installé Stripe pour le paiement par carte? Non, je j'accepte pas les paiements par carte, je prends pas. Donc ça sera tant que les conditions de Fever sont comme elles, les conditions de PayPal sont ce qu'elles sont, je reste sur PayPal. Je ne veux pas m'embêter avec les paiements par carte. J'aime bien l'univers de Dragon Ball, ouais, beaucoup. Mais voilà, moi c'est totalement ma génération. J'étais tout gamin quand Dragon Ball a commencé. Donc c'est vraiment ma génération. Et aujourd'hui, bon, on voit que c'est multigénérationnel. Surtout avec Dragon Ball Super qui a encore fait de la hype. Ouais, moi j'adorais à l'époque Dragon Ball et Dragon Ball Z par la suite. Et un peu tout ce que faisait Toriyama de toute façon. Oui, tout à fait, Lucille. Je le revendique, hein, je le dis des fois hein, même. Au niveau de la couleur, c'est très. Je m'inspire beaucoup du travail sur Cellulo de. Parce que je faisais quand j'étais au lycée, je m'amusais beaucoup à faire du cellulo. Et à l'époque, donc j'étais dans la hype Dragon Ball et je faisais beaucoup de cellulo DBZ à l'époque. Hein. Merci Gore, coucou à toi. Et merci à Momo Multigame pour le follow. Donc je vais m'occuper des yeux. Faut que je gomme des saletés. Est-ce que j'avais pas sélectionné les calques? Je vais m'occuper de rajouter un peu d'ombre. Voilà. Ici. Et les dents. Je fais ça et comme ça, après, je peux rajouter le texte et on essaye le CB pour voir ce que ça donne le CB. Tu as déjà eu des clients qui ont été déçus de ton travail? Oui, tout à fait. Oui, absolument. Après, il y a des. Alors, j'ai eu des clients qui ont été déçus parce que ce que je leur ai fait ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. J'en ai d'autres qui ont été déçus par la qualité, puisque des fois, il peut y avoir des baisses de forme, des fois, ou des mauvaises idées. Donc, il y en a qui ont été déçus par la qualité. Il y en a qui ont été déçus parce que c'est des têtes de con. C'est très rare. Mais il y en a eu. Il y en a eu un en particulier. Mais voilà, oui, ça arrive à. J'espère que ça arrive à tout le monde, que ça arrive pas qu'à moi, quoi. À vous, tu dessinais pendant les cours? Bah oui, ouais. Faut pas abuser, quoi.
Il n'y a pas mieux que Fever où il a le monopole. Oh, Fever à l'international, oui. C'est... Ouais, j'ai essayé d'autres plateformes. Hein. Je suis sur d'autres plateformes. Je suis pas que sur Fever quand même. Je suis sur plusieurs plateformes. Et non, il n'y a que Fever. C'est la plus grosse plateforme freelance dans le graphisme en tout cas. C'est énorme. Hein. Alors, l'ombre de la manche gauche devrait être plus à gauche et non vers le corps. Ouais, j'ai sûrement merdé quelque part. J'ai pas bien compris. Elle est déjà bien à gauche, non? T'en as aussi qui ne regardent pas le style de la personne avant de commencer. Ouais, c'est tout à fait. Oui, ça aussi, c'est arrivé, quoi. Quand on me passe une commande, on me dit, tiens, il faut que tu fasses ça. Ou alors, non, tiens, voilà, j'ai les emotes de ce gars-là, j'adore. Je voudrais que tu me fasses les mêmes, mais pour moi. Ben non. Et d'une, je travaille dans mon style. Et de deux, ben, c'est si tu veux les emotes pareil que ce gars, ben, demande à ce gars chez qui les a fait faire. Donc c'est rigolo quoi. Tu t'occupes tout seul de ton site web? Ouais, je m'occupe tout seul de tout, sauf du stream. Merci à Razi, à Pouix, à AD, à Duny, à Alex de modérer un peu le forum. Et merci à Razi de s'occuper tout seul du Discord. Parce que le Discord, c'est Razi qui le fait tourner. Mais après tout le reste, ouais, c'est moi qui m'en occupe. Ah non, l'ombre du bras. Non, c'est le Genki qui éclaire les bras. Donc, la main gauche est éclairée sur le côté gauche et la manche droite est éclairée sur le côté droit. C'est normal. C'est la lumière, elle vient du Genki Dama. Elle vient pas du soleil. Tout à fait, Lucille. Tu as raison, je vais rajouter. Non, mais en fait, j'ai mis les ombres sur le Genki juste pour rajouter après, pour brûler la. Pour le brûler après. Je vais le brûler. Tu m'énerves. Arrête. J'arriverai pas à vous avoir, quoi. Ah, je le brûle après. Voilà. Je crois même que je vais br en brûler les contours aussi du Genki. On va rajouter le texte. On verra. De toute façon, je retravaillerai un peu. Il y a des choses que je vais ajouter après derrière. Mais là, sur le stream, je ne vais pas trop passer de temps dessus. Je vais juste rajouter le hype. Alors là, on va rigoler parce que je ne vais pas pouvoir donner trop d'effets. Mais on va quand même essayer d'en donner un petit peu, quoi. Hey dame, salut à toi, Perou Pedro. Peut-être une emote bus bleu de Fortnite, tu sais, comme ça à chaque début de game pour remercier le chauffeur. Si on faisait un emote avec le bus, ah ouais, il pourrait être spam à chaque début de partie. C'est une bonne idée, ça. Alors, je sais pas quoi exactement encore, mais je le note. Un truc avec le bus. La main droite. Ah, ça y est, oui, Vautez, mais complètement, ouais. Ouais, on peut faire. Ça y est, j'ai compris, quoi. On y arrive. On y arrive. Bah, bien vu, Vautez. C'est plus la main que le bras, quoi. Hop.
Alors, on va remettre en couleur normale. Ça, je vais récupérer la couleur. Je vais refaire la main. Sans multiplier. Mince, j'étais pas sur le bon calque. Ah, bravo. Se tromper le calque, hein. Boulet. Bah super, on y est quand même arrivé, Lucas. Alors c'est ça tes meilleures emotes, celles qu'on peut le plus spam. Un Bobus bleu foncé, mais carrément, hein, carrément. C'est un emote qu'on peut pas spam, qui est super occasionnel, c'est un peu dommage. C'est pour ça le bus, ouais, c'est une bonne idée quoi. Donc à voir, faudra, je trouverai un truc. Hein. Je me disais l'ombre est inversée entre la main et le bras, ouais carrément. Merci Arthur pour le follow, coucou à toi. Sauf qu'en parlant, ben, je me suis planté dans les calques. Je vais tout refaire. Donc lui, il était en mode normal en plus. Eh oui, c'était le blanc lui. Hop. Et ça se moque derrière moi quand même. Donc ce coup-ci je suis sur le bon calque. Par contre je sais pas si je suis sur la bonne couleur. Ouais ça va. Yo dame, c'est une refonte complète des emotes Gotha en fait. Non, juste quelques-uns, ils sont vieux hein. Ils sont super vieux quand même hein, certains hein. Alors, petite question, les dessinateurs facturent un emote ou ils facturent le pack abonnement 5, 10, 25? Ah, moi, c'est, mes prix sont à l'unité. Et après, donc si quelqu'un en veut juste un, bah, il en a juste un. S'il veut un pack, bah, il y a les packs aussi. Enfin, pas sur mon site, puisqu'on peut changer la quantité. Donc, coucou Warkrug, comment vas-tu? Donc, non, on peut prendre à l'unité. Le hype, donc je sais pas comment je vais faire le hype. J'ai pas envie de le faire rentrer dans la boule. Ça ferait trop cliché quoi. J'ai envie de le faire dépasser de la boule. On va lui rajouter des couleurs. On va le faire un peu dans les mêmes teintes. Ben ça va super, je te remercie Warkrug. Je disais tout à l'heure que normalement dimanche, coucou Didi, normalement dimanche je m'occupe des emotes de Trini. Entre temps j'y aurais déjà fait les badges. Mais dimanche je m'occupe des emotes de Trini. Ça coûte combien l'unité? Par exemple celle-ci, ben, tiens, je vais te. Hop, je vous mets de nouveau le lien de la boutique, du site. Sur le site, il y a une partie boutique et vous verrez, il y a tous les tarifs qui sont détaillés parce que les prix dépendent du contenu de l'emote. Ça part à 5 euros et ça va jusqu'à 30 euros. Et après, il y a les badges, etc. Donc voilà, sur le site, vous avez tous les tarifs. Oh, Krug, préviens Sibou pour les new emotes. Ouais, attends, j'ai pas encore dit à quelle heure je faisais dimanche. Hein. Donc il y a pas mal d'emotes à refaire et il y a les badges, ça va changer. Les badges, ça va bien changer. Et je vais bien m'appliquer. Donc les badges, je les fais pas en stream justement pour être sûr de pas être déconcentré comme je le suis d'habitude.
là, je perds du temps pour faire le hype parce que je sais plus où j'en suis. Et moi, on me dit pas bonjour, je suis pas aimé ici. Mais non, tout à l'heure, je t'ai même dit merci, Alex. Avant même que tu arrives, je t'ai dit merci pour. Je disais merci à tous les modos pour le travail fait sur la chaîne. Donc, j'ai quand même parlé de toi tout à l'heure. Et tu refais aussi les badges de Gotha. J'ai pas compris, souris. Non, non, je refais pas les badges de Gotha. Ils sont très bien, les badges de Gotha. Peut-être bientôt, il faudra penser à celui des 5 ans. J'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Parce que maintenant on peut aller jusqu'à 9 ans, il me semble, sur Twitch. Et coucou aux arrivants, salut Mayenne, comment vas-tu? Non, zut, faut pas que je prononce ton nom. Naïma, voilà, je vais t'appeler Naïma. Oh mince. Ah lol, DJ. Alors, hop. Donc là, il est un peu clair, mais on va. Hop. Voilà, on va le faire comme ça. Là, on va même rajouter mes petits reflets habituels. Je peux pas m'en empêcher. Faut toujours que je rajoute mes reflets foireux. Il y en a qui aiment pas. Non, ça, il y en a qui aiment pas du tout des fois. Boutique, tiens, bonne idée, Baco. Ouais, j'ai pas pensé à faire de macro boutique. Je pourrais la faire. En attendant, il y a la macro site. Je crois. Je sais même plus. Non, c'est tarif. T-A-R-I-F-S, point d'exclamation de tarif, je crois. Je sais même plus. Je connais même pas mes propres commandes. Je vous dis, mauvais streamer. Ah, il rend bien en petit. Bon, il est pas mal. Moi, j'aime bien le Genki Sub. Je sais pas qui a eu l'idée de redonner un petit coup aux emotes sub. Mais j'aime bien l'idée de l'avoir mélangé avec le Genki Dama. Ça, le Genki Dama, c'est moi. Bien sûr. On va essayer le CB, parce que le CB, il me plaît bien, quand même. Faut juste que je retrouve, c'est celui-ci. Sûrement pas là. Voilà. Hop. On va essayer le CB. Et je pense que je proposerai les deux à Jericho et on verra bien ce qu'il en pensera. Et ça ira bien là pour ce soir. Je resterai sur ces deux emotes à mon avis. Alors oui, j'aime pas top personnellement les points. Ouais, voilà. Il y a. Bah, après, si Jericho les aime pas non plus, il me dit je les enlève. Hein. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas et je peux pas m'en empêcher quoi. Il faut toujours que je fasse les points quoi. Et donc là j'ai le chat qui rapplique, puisque forcément j'ai prononcé son nom, vu qu'il s'appelle Mayan, comme Mayan, qui est arrivé sur le chat tout à l'heure. Bonne soirée, je viendrai sûrement vers toi pour un futur projet. Ben avec plaisir, je te remercie, Beowulf, passe une bonne soirée. Merci Bishop, coucou à toi. Dommage, j'aurais aimé voir le stream hack avec l'histoire des jumelles. Bah pff, franchement... Ça peut tomber, hein. On sait jamais quoi, si Jericho il en aime aucun entre le hype et le CB, j'y proposerai le stream hack derrière. Mais le stream hack, le truc c'est que l'actuel stream hack il me plaît pas. Donc il se peut qu'un jour il tombe quand même avec les jumelles. Alors je te connais seulement depuis une heure, mais je suis déjà fan. Alors tu es sûrement pas fan de ma façon de prononcer les mots que je lis, puisque je les prononce toujours de travers. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Coucou à toi. C'est Lucas12. J'ai réussi à lire le pseudo.
Là, j'ai. Ah, ou alors, c'est pas un 12 à la fin. Dans ce cas-là, ben, je me suis congratulé trop vite. On t'aime bien malgré ton illettrisme vocal. Voilà, exactement. C'est Lucille. Voilà, tu as confirmation. Il y a madame qui confirme ce que tu viens de dire. J'adore la solidarité féminine. Donc on a dit c'est un CB. Salut Captain Caverne, comment vas-tu? Non, c'est bien ça. Ouais, j'ai réussi à prononcer du premier coup. Coucou Bearded! Ah, petite Bearded, ceci est une vieille bouteille de bière vide. Donc la bouteille de bière n'est pas au frigo ce soir. Elle est en cours de. Bon, elle n'est pas vide, mais comme il faut pas parler d'alcool sur Twitch ou je ne sais pas quoi, j'ai dit qu'elle était vide, mais elle n'est pas vide du tout. Il y a une option code promo sur la boutique, oui, puisque je peux. C'est vrai qu'à un moment, quand je faisais pas les emotes, je faisais gagner des bons de réduction. C'était nul. Enfin, c'était nul, c'est. Voilà. Oh. Quitte à faire gagner un bon de réduction, fais plaisir aux gens, mais offre-leur carrément un emote complet, quoi. Mais oui, il y a la possibilité de faire des codes promo sur la boutique. Non, mais mon site est bien complet quand même. Salut Pete, comment vas-tu? Moi, ça va super. Faut pas dire ça, il y a des gens qui parlent mieux anglais que français et j'en en fais pas partie. Mon anglais est catastrophique. Bon, il me sert juste à travailler, mon anglais. Alors, faut pas dire ça. Non, ça, je l'ai lu. Puis il y a Moman. Pourquoi vous parlez de Moman? Hey, tu commandes pour 200 euros, tu aimes le code promo. Oui, c'est clair que je fais un code promo. Mais voilà, comme on disait, quand il y a des, quand on me passe des quantités un peu importantes. Hé, le chat! Mais non, le chat, là, tu vas prendre le jus, là. Il est en train de mordre le câble du MacBook, quoi. Hey, Phil! Il est bête, ce chat. On va avoir une coupure de courant, c'est le chat qui bouffe les câbles d'alimentation, quoi. Mayan. Ça lui a pris, délire. À 100 mètres, ça s'occupe pas de lui. Je m'occupe pas de lui. Bah là, à l'instant T, non. Bah si, je l'ai empêché d'abîmer mon ordi. Content. Après, bon, il se serait électrocuté, mais ça, c'est pas grave, quoi. Ça m'aurait coupé le stream, quoi. T'imagines? Il est où le chat? Ouais, il fait le puni là, il est dans le coin. Mayan! Saleté. Méchant chat! Alors, hop. On va quand même finir le contour. Non, il passe pas à la caméra. La victimisation du chat. Il fait sa victime. Ouais, c'est ça, il faisait la victime, quoi, au coin. Et il est parti, on s'en est débarrassé. Avec les moustiques. Mac 1 chat 0. Ouais, enfin, le Mac, il m'a fait une belle. Il m'a fait une belle merde ce week-end, le Mac. Hein. Il y a la batterie qui a décidé de sortir du Mac sans que le Mac ne lui accorde. Ne lui ouvre la porte de sortie. J'ai la batterie qui est devenue plus épaisse que le Mac. Hein. Heureusement, il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu le feu non plus.
Donc j'ai pu la démonter et la retirer du Mac. Donc maintenant j'ai un Mac qui marche uniquement sur secteur et voilà, je changerai pas la batterie. Ah, perso pour mon portable j'ai deux batteries. Ouais. Alors tu vas faire tous tes croquis au propre ou seulement quelques-uns? Voilà, comme dit Shafi, juste deux, le hype et le CB. Il n'y a qu'un emote qui a été commandé par Jericho, mais c'est vrai qu'avec les idées qu'on a eues ce soir, je lui en parlerai quand même. Il y a peut-être des choses qui vont l'intéresser. Ouais, après je vais vous laisser parce qu'on est mardi et le mardi il y a Bitter Call Saul. Bonne soirée à toi Didi, à très bientôt. Il est... Ah, oh, bravo vos thèses. Ah ben, je laisse Duny te répondre. J'ai moi-même appris des choses avec cette histoire, donc. Tu dessines aussi des BD ou c'est juste pour le plaisir? Non, je ne fais pas de BD parce. Alors, pour le plaisir, oui, j'en ferai volontiers. C'est pas un moustique, c'est un moucheron là, qui me tourne autour, quoi. Donc, j'ai pas le temps d'en faire. Mais si j'avais le temps d'en faire, bah oui, oui carrément, j'en ferais, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit la madame? Elle va l'écrire là sur le chat. Hein. Elle va, comme ça, elle va, tout le monde va bien pouvoir se profiter du foutage de gueule. Hein. Non, parce que le gant que je porte, je l'ai mis au sèche-linge en sachant que je l'avais lavé et que pour sécher à température ambiante, il met un quart d'heure pour sécher. Et moi j'avais décidé de le mettre au sèche-linge en sachant que le sèche-linge il met 2 heures pour faire son slick. Donc déjà à la base c'était débile. Sauf que il est arrivé un problème au gant, c'est qu'il est jamais ressorti du sèche-linge. Enfin il a disparu. Donc j'ai appris, comme le dit Duny, qu'il y avait un petit bac en dessous. On avait juste à ouvrir et dedans, en effet, il y avait mon gant. Et ce qui est rigolo pour finir l'histoire, c'est qu'il était mouillé. Donc tout ça pour ça. Bonne soirée à toi, Lozac. Merci beaucoup d'être passé. À très bientôt. Et bon stream à toi, si tu streams encore. On appelle ça un filtre. Oh ben, ça va. Hein. Fais pas le connaisseur. Hein. Moi, c'est tout sans filtre. Voilà. Et tu sais, le bac à nettoyer une fois. Ah, parce qu'en plus, il faut le nettoyer ce truc. Mais à quoi ça sert? Il faut que ça se nettoie tout seul, sinon ça sert à rien, quoi. Je comprends rien. Bon, je fais genre, mais non, non, celui du lave-vaisselle, je le nettoie quand même. Hein. Attends, qui avait parlé de filtre lors de ton anecdote? Quelqu'un a parlé de filtre? J'ai pas suivi. Pour ça que faut une femme à la maison, ouais, ouais. Pour, voilà, oui, tout à fait, il faut une femme à la maison. Pour vider le filtre de la machine à laver. Non, non, pas taper. Bon, je vais te laisser car je suis en train d'écrire un roman, du moins je croise les doigts pour réussir dans l'écriture, passe une bonne soirée. Et un truc génial quand on fait ça, c'est de se dire, allez, tous les jours j'écris 5 ou 10 pages, 5, même 5 pages par jour, quoi. Et c'est... En un an, tu vas te retrouver avec un bon volume, mais sans jamais trop faire. Coucou Pouix, merci beaucoup Pouix pour le...
pour le sub. Pouix qui reprend de l'avance sur le deuxième. Pouix qui n'est plus à égalité avec le deuxième qui était Ross, je crois, à 9 mois. Ben, merci beaucoup, Pouix, pour les 10 mois d'affilée. Félicitations. Applaudissez la reine. Ah non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit, Razi? Je vais le mettre dans le futur. Oh, mais. Non, au-dessus. Bah, si tu le faisais pas, oui, il se nettoyait tout seul. Ah. Ouais, tout à fait. C'est moche. On voit que tu filtres tes lectures. Ah, non, juste Razi, je filtre. Coucou Invincible, comment vas-tu? Alors, tu penses quoi de cette nouvelle saison de Better Call Saul? J'ai vu que le premier épisode. Ben, je peux pas t'en parler parce que sinon je te spoilerai, mais c'est. Cette saison, c'est un pivot, je pense, dans la série. Ça va être un très gros tournant dans la série. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi ils ont déjà payé pour. Ils ont déjà commandé la saison 5. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, les nouvelles saisons n'étaient commandées qu'après la diffusion complète de la saison. Alors que là, la cinquième saison a été annoncée avant le début de la saison 4. Maintenant, je comprends un peu pourquoi. Il n'y a pas que Razi que tu filtres. Bon, mais ça suffit, quoi. Voilà, au début du stream, je remercie les modos et voilà. Ils sont tous contre moi, là. Camille Vautez, non. Ça devrait être remarqué dans la notice du sèche-linge. Cet appareil nécessite d'avoir une femme à la maison pour une utilisation optimale. Allez, arrêtez là, je dessine plus. Faut que je finisse mon singe. Faire comme ça. Et parce qu'on ne t'aime pas, voilà, ça c'est fait. Merci. Tu cherches? Non, je cherche pas. J'ai rien dit, moi. Je suis en train de travailler, là, s'il vous plaît. Un peu plus de sérieux. On est en train de faire le dernier emote. On va essayer de le faire bien. Pourquoi d'ailleurs c'est un singe qui représente Gotha? Ben, techniquement, c'est pas un singe qui représente Gotha. En fait, le singe, il représente les viewers. Sauf qu'au final, on le met un peu dans toutes les situations, mais à la base, normalement, le singe, il représente les viewers. Parce que Gotha, puisque Jericho a appelé tout le monde la bande de singes. Alors ici, à Marseille, on dirait les zouaves. La bande de zouaves. Alors regarde-moi là, cette bande de zouaves. Black carte. Bah non, je la fais bleue pour qu'on capte que c'est une carte bleue. Et le CB en rouge bleu pour appeler un peu le Mastercard. Ou alors je fais pas CB, je fais juste le logo Mastercard dessus, à voir. Elle n'était pas plus foncée les emotes de Gotha avant, alors là je pourrais pas te dire, je sais même plus ce qu'il y avait avant. J'adore, c'est pas le chat qui perturbe Dame, c'est les lectures de Duny qui rapportent à Dame qui le font arrêter de dessiner, mais c'est clair quoi. C'est les modos là qui me font perdre du temps. Je vais tous vous virer quoi. Ah bah tu seras tout seul. Voilà, je fais la main noire, la mano negra.
Le B d'une autre couleur que le C, bah c'était pour faire le rouge et le jaune du Mastercard. Mais au pire, je le changerai, ça. Tu les vois bien en blanc, le CB? Je verrai. Là, je sais pas trop, quoi. Je vais juste le finir. Bah ouais, le logo Mastercard, il peut être plus sympa. Vous savez quoi? On va carrément virer. Pour l'instant, on va juste faire la carte bleue. Après tout, c'est une carte bleue, non? C'est une carte de crédit. Ouais. Donc pour l'instant, on va la faire toute bleue. Et pendant que je dis ça, bien sûr, je sélectionne la couleur rouge. Hein. Soyons cohérents dans ce que nous disons. Donc voilà, pour l'instant, je la fais bleue, carton bleu. Ça va être carton rouge. Et après, je verrai ce que je ferai. CB, c'est plus parlant qu'un logo, je pense. Oui, en temps normal, mais pour Gotaga, le logo Mastercard, il est super par voilà, il parle à fond. Ma carte bleue et marron, ouais, c'est une Eurocard Mastercard, sûrement. J'ai cru qu'il allait dire, ouais, ma carte bleue est gold. Ah. Ils font les cartes bleues en métal aussi maintenant. Pourquoi pas un euro sur la carte? Parce qu'on risquerait de... Enfin, ça risquerait de faire billet, je sais pas. J'ai fait un peu foncé. Non, on enlève. Ce que je vais faire, c'est... Après, il faut que je fasse l'énergie autour, quoi. Fut un temps, j'ai eu une carte bleue verte, la honte, le jour où j'ai convenu avec ma carte vitale. Ah, plus foncé la carte? Ouais, si je fais le logo rouge et jaune, je vais la faire plutôt plus noire que... Bah allez, on va faire une carte... On va faire une Eurocard Mastercard après. On va faire une Eurocard Mastercard, ça sera bien parlant et ça va le faire quoi. J'ai confiance. Non, il arrive pas à gagner un 1v1 contre Jericho. Il peut pas gagner un 1v1 contre Gotha. Hein. Bah, c'est bien le sans contact quand même. Moi, au début, je voulais pas en entendre parler, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à l'essayer. Après, tu arrives dans des boutiques. Tu vas pour payer. Tu leur dis quoi? Vous avez pas le sans contact? Je vais ailleurs. Bon après, voilà, on fait cette emote, c'est pas dit qu'il soit retenu. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on cherchait des idées. J'avais juste comme concept qu'il fallait faire un singe ou un Gotha en mode super guerrier. Donc on a fait le hype. Franchement, le hype, il me plaît beaucoup. Je pense qu'on verra le hype arriver. Quoi. Après, l'autre, peut-être pas. Et je pense la semaine prochaine, selon ce qui est retenu ce soir, peut-être la semaine prochaine, je ferai le stream hack quand même. Il y avait le stream hack et il y avait le RIP aussi.
Et merci à Youn pour le follow, coucou à toi. Ah, on est à presque, on est à 10 follow des 3300, merci énormément à tout le monde. Ah, peut-être qu'on fera les 3300 avant la fin du stream. Merci à Eskin, coucou à toi. Alors, je reviendrai tantôt si tu es encore là. Non, ce soir, je pense pas. D'ici une dizaine de minutes, ça sera, on aura terminé le stream. Mais n'hésite pas à revenir une autre fois. Vendredi 22h, je vous rappelle, il y a le giveaway pour gagner vos propres emotes. C'est celui qui gagne qui dit ce qu'il veut. Et je le fais en une heure. Le RIP est aussi beaucoup utilisé quand le live coupe du coup. Ah oui, le RIP dans le cadre de... il est... Le RIP dans le cadre d'une rupture de quand le stream il pète, c'est super souvent ça. Je garde en tête ça, le stream qui pète. Hein. Vendredi, c'est mon tour. Que représente le carton bleu? Pour l'instant, c'est juste un rectangle. Il va représenter une carte bleue. On va le changer de couleur. On va faire une Eurocard, Mastercard. Une emote bière en giveaway. Pour toi? Combien tu as de commandes d'emotes à peu près par mois? Je peux pas dire, c'est super variable. Je sais que là, en septembre, je vais en avoir très peu. Et le mois dernier, j'en ai eu 171. C'était un très bon mois. Mais voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Le compteur a bloqué sur 3291. Pourquoi on a dépassé les 3300? Je sais même pas, j'ai pas sous les yeux. Attendez, je vais vérifier. Je vais vous dire, on est à 3295. Voilà, encore 5. Ah ouais, emote F5 aussi. Ah ben voilà, un bon F5 pour quand le stream y pète, ça peut être bien ça. Vous avez trop d'idées quoi. J'en ai déjà fait un de F5 pour une fois quand même. Mais l'idée là est bonne. C'est moi où ça bug? Non, ici ça bug pas, j'ai zéro drop. Ouais, c'est Twitch. Je sais plus où j'en suis. Et il faut que je fasse le key. S'occuper de la carte bleue. Je préfère l'autre quand même. Hein. Mais F5 pourra pas coller avec les gens qui regardent le live sur une autre plateforme. Ouais, c'est tous ceux qui sont sur téléphone. Appuyez sur F5. Mais pourquoi?
Le singe est super guerrier maintenant. Ah ouais, c'est parti. On est en train de partir dans des délires là. Benbeno, coucou à toi. Après en petit, je sais pas ce que ça va donner. Mystère. Bon, de toute façon, on va le garder juste pour le concept. On verra bien ce qu'il en pense. Derrière pour l'instant. Alors j'imagine qu'on ne pourra pas voir la réponse en live de Jericho. Ah oui, ça on ne pourra pas, je pense pas. Faudrait écrire Mastercard dessus. Ben non, parce en emote en 28 par 28, ça sera beaucoup trop petit, on le verra pas. Donc je stylise au maximum pour qu'on capte le truc, mais voilà. Bonjour Dame, est-il possible de savoir quel micro tu utilises pour ton stream? Tu conseilles quoi comme micro pour du gaming pour commencer? Alors pour un micro que je conseille pour du gaming, malheureusement, je suis très mal placé pour répondre à ça parce que j'utilise pas de micro comme on pourrait utiliser dans le gaming parce que comme vous le voyez là sur à droite, devant moi, mais presque collé à moi, j'ai un écran. Donc pour moi c'est compliqué d'avoir un micro posé comme les Blue Yeti par exemple qui sont très bien. Hein. Il n'est pas un peu trop jaune? Oui, on peut éclaircir après. Je peux l'éclaircir un peu puisqu'il n'a pas les cheveux aussi jaune. Donc un Blue Yeti, moi j'aurais bien voulu mais je peux pas parce que je peux pas le poser à proximité. Et un micro sur pied, ça serait devant l'écran pour moi. Donc dans tous les cas. Pour moi, c'est pas possible. Donc moi, j'ai fait le choix d'un micro cravate qu'on voit à peu près là. Bon, je vais pas le détacher, ça va faire trop du bruit, trop de bruit. Moi, j'ai un micro cravate. Donc c'est un Rode, je sais plus lequel, mais c'est un petit Rode, vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 50 €. Mais pour du gaming, je sais pas, il y a tellement de bons casques, de bons micros sur pied, de bons micros de toutes les sortes. Voilà. Alors, question, c'est qui Jericho? Jericho, c'est ouais, le bras droit de Gotaga. C'est son, on va dire, c'est un peu plus que son community manager, en gros. Enfin, après, je crois qu'il a un community manager. Donc, non, Jericho n'est pas le community manager. Ouais, Jericho, c'est son bras droit, en gros. Et son chef des modos aussi. Un micro sur pied, ça le ferait pas, on entendrait le bruit du stylet. Ouais, il fait pouic, 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 le stylet quand je dessine. Ouais. C'est pour ça qu'on a un modo qui s'appelle Pouic. Like
Bah, je crois pas que ce soit son agent non plus. Je crois que c'est une autre personne qui s'occupe de. Que je connais une personne qui s'occupe de Gotaga et qui. Je crois que c'est plus son agent. Mais voilà, c'est le bras droit de Gotaga, quoi. C'est Monsieur Gotaga TV. Alors quoi, Pouic? Ben non, j'expliquais aux gens que mon stylo, quand je dessine, il fait Pouic, Pouic, Pouic. Mauvaise qualité clim, ouais. Enfin voilà, clim, c'est une boîte française qui fait des choses, mais on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas. Mais du tout. Ouais, là il est un peu marrant là, voilà. Et je vais m'occuper des sourcils aussi. Et je pense que le Genkidama, je vais le faire sur la même couleur, hein, plus clair. Comme ça sera un peu plus proche des cheveux, qui sont plus platines que jaunes. Voilà. Allez, ça va super, Soupochou. Ouais, je t'ai vu tout à l'heure, Soupochou. Je t'ai vu parler sur le stream de Gotham. Et je vous stalke, je stalke tout le monde sur le stream de Gotham. Alors pour débuter, oui, si tu vas aller plus sur un, ah oui, oui j'ai aussi une table de mixage avec un micro XLR. J'ai beaucoup de micros quoi. Sur l'énergie, un filet rouge peut-être. Non, le filet rouge c'est pour le Kaioken. Non, pas de Kaioken. Tu penses quoi de rajouter la queue du gorille saillée en jaune sur l'autre emote? Oh, c'est vrai. Ah, oh, c'est dommage, j'y ai pas pensé ça. Ouais, je peux la rajouter. Après, ça ferait peut-être un peu chargé quand même. À voir. De toute façon, l'autre, je vais le retoucher, je vais changer la couleur, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Celui-là, c'est vrai, il est en jaune trop foncé, c'est pas terrible. Je préfère le jaune un peu plus clair. Bon dame, je bouge encore, que du beau soir, à bientôt, que du beau ce soir je suppose, à bientôt, bonne soirée, ben moi aussi je vais bouger de toute façon, là il est temps pour moi de vous dire au revoir, yo Falron, coucou à toi, ça va super, là je suis en train de finir le stream, on en est à combien? On est à 3296 followers, bon on n'aura pas fait les 3300, ça sera pour la prochaine fois, ça sera pour vendredi. Donc vendredi, je vous rappelle, à 22 h, il y aura le giveaway. Donc le giveaway, il est lancé à peu près à 22 h et le tirage à 22 h 30. C'est très rapide. Il faut être présent pour le tirage pour me dire ce que vous voulez comme emote, puisqu'il y aura à gagner un ou deux emotes que vous choisirez et il sera dessiné en live pendant le stream. Tu peux faire genre la carte écrase le petit singe ou est trop lourde pour montrer la richesse. Ouais, après c'est peut-être très conceptuel là. Sur un petit emote, faut le comprendre. C'est après voilà des trucs très scénarisés. C'est vrai qu'une fois qu'on les explique, on les comprend, mais si le dessin, j'arrive pas à faire passer le message, j'ai raté mon coup. Je file bonne soirée dame et unis. Bonne soirée à toi Krug. Merci beaucoup d'être passé et sûrement dimanche et ou alors chez Trinity ou Cibou peut-être même. Mais en tout cas Cibou, non Cibou là elle est en vacances. Aujourd'hui elle stream pas, elle se dorait la pilule à la plage en plus j'ai vu. Donc, merci pour le follow Soupochou, merci pour le follow tout le monde. Je serai la dame sauf si cette semaine de job ne m'a pas tué et moi donc j'en vis autant. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Et normalement, tu dis bye bye aussi. Et...